Bonjour. Tout d'abord, je dirais d'abord aux petits sassous, ceux qui viennent avec des faux profils dans Facebook pour m'injurier. Sachez une chose, j'aime les injures, car moi que vous voyez, j'ai le charisme très efficace. Hein? Écoutez-moi bien. J'ai le charisme très efficace, exactement comme André Grégoire Massoy. J'ai le charisme efficace comme Jacques, le vieux Jacques Opango. J'ai le charisme efficace comme l'abbé Philbert Hulot. J'ai le charisme efficace comme Diawara, Ange Diawara. Oui. Donc, vous pouvez être envoyé par M. Oui pour son pour injurier dans les réseaux sociaux parce que vous êtes des avatars. Vous vous cachez derrière des claviers avec des faux profils, des faux noms pour injurier les vrais. J'adore. J'adore ça. Ça prouve que le travail est efficace quand l'on est en train de vous écraser. Parce que vous ne commencez plus à recevoir vos paiements que M. 8% vous donne. Cela fait plaisir et fait réjouir. Grandiosement, j'adore cela. Les petits sassous de merde. Le tiers africain français. J'appelle aux habitants des quartiers nord de Brazzaville et j'appelle aux habitants du quartier du sud, de chaque quartier du sud. Enlevez en vous la peur. Prenez le courage pour la libération du Congo, le nord et le sud. Nous ne sommes pas des ennemis. Notre ennemi, c'est monsieur, c'est 8%. Sassou 666, le corbeau noir. L'ennemi du Nord ainsi que du Pôle. Sassou 666. Vif ou mort, nous devons en finir. Coûte et coûte. Avec ce vampire. Le message doit être clair dans toute la République du Congo-Brazzaville. J'appelle votre bravoté. J'appelle votre courage. N'ayez pas peur du tout, car la peur ramène à la destruction. Car tous ceux qui ont peur seront écrasés. Mais tous ceux qui ont le charisme du courage sont les oints de Dieu. N'ayez pas peur, Monsieur 8% tombera. N'ayez aucune peur. Toute sa bande de mascarades d'assassins périront. Ils finiront tous, malheureusement, car nous n'avons jamais vu dans ce monde des hommes, le commencement où, là, actuellement, nous n'avons jamais vu des dictateurs continuer à massacrer et toujours être là. Non. Il y a un début. Mais le début, chez moi, le tien, il ne compte pas. C'est la fin. La fin du calvaire. Parce que quand c'est la fin, c'est là où qu'on sera. Comme on est cloche, sonnera mieux. Oui. Parce que la chute de 8%, ainsi que de tous ses amis corbeaux, qui sont comme lui,
des gens qui n'ont pas de sentiments, des gens qui ne sont pas des humains. Mais quand vous allez crever, quand vous allez sauter du pouvoir, c'est là où ce que vous comprendrez. C'est là où ce que vous allez comprendre que vous êtes rien. Voilà. Sassou, vif ou mort, nous devons en finir, toute écoute. Peuple congolais, refusez. Refusez l'apparition. Refusez d'être des moutons de 8%. Refusez d'être ces gibiers qu'il envoie à la mort. Un peuple courageux est un peuple qui se libérera des enchaînements de la France-Afrique de merde. Un peuple courageux, c'est celui qui dit non à toute dictature. Un peuple courageux, c'est celui qui est brave et vaillant. Un vrai citoyen, c'est celui qui dit non à toute corruption. Et qui refuse tout rôle d'assassinat. Nos frères congolais et sœurs congolaises, nous devons ouvrir les yeux tous. Car l'heure doit être une heure favorable pour nous et la chute pour nos ennemis. Peuple congolais, je suis le tien, africain, français. Mes convictions et valeurs, c'est la vie humaine. Les convictions et mes valeurs, c'est la vie humaine. Que chaque vie humaine soit respectée sur terre. Que chaque être humain puisse avoir sa part dans ce monde des hommes. Cela, c'est ma première préoccupation. Voilà. Je suis le tien africain et français. Mes convictions et valeurs que toute notre Afrique soit totalement libérée de nos ennemis. Les voleurs de minerais du sang. Vivent nos vrais hommes de l'opposition au Congo-Brazzaville, en prison. Congo-Brazzaville, en prison. Un jour viendra où vous serez dehors. Courage! Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous tous. J'appelle notre vrai président du Congo, Fulbert Yu. Viens à l'aide du peuple congolais. J'appelle notre vrai vieux Jacques Oppango. Viens à l'aide du peuple congolais qui souffre chaque jour et qui sont assassinés au pôle. J'appelle le vrai résistant, André Renard Massoua. J'appelle Kimpavita, ainsi que nos ancêtres. Congo, un jour, le Congo sera libéré. Un jour, le Congo sera debout. Parce que notre détermination payera. Chaque résistant qui se lève de bon cœur droit est un homme de Dieu. Oui.
Car un vrai résistant, c'est celui qui ne prend jamais l'argent de l'ennemi. C'est celui qui ne fera jamais la courbette. Voilà. Un jour, le Congo sera libéré. Un jour, car moi, luthier, africain français, je serai... Un jour debout. Moi, luthier africain français, je travaille dur ainsi que Willy Onyami, le petit-fils de Jacques Opango. Nous travaillons de vrai pour la libération de notre Congo, ainsi que de toute notre Afrique. Peu importe les salades que ceux qui aiment la corruption pourront dire à mon égard ou à l'égard du frère Onyami. Nous sommes forts, nous sommes efficaces et nous sommes fiers. Nous ne sommes pas levés pour les poches ou pour notre ventre, car nous savons comment travailler l'argent, mais nous nous sommes levés pour les crimes qui se passent là-bas, on dirait sur les femmes et sur les enfants et sur nos grands-mères et grands-pères. Que Dieu vienne à notre aide, que Dieu vienne à notre aide. Donc, peuple congolais, le courage payera, la victoire payera. N'ayez pas peur. Tous ceux qui ont peur, c'est des gens qui ont peur parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait de mal. Mais celui qui n'a jamais peur, et qui ne se fait pas des petites idées et à l'égard derrière, est un homme brave. Donc, que Dieu nous aide. L'Afrique a tellement souffert. Nos enfants sont tellement morts. Nos femmes mortes. J'ai eu pas mal d'amis à l'école avant à Brazzaville, que pas mal je n'ai pas pu revoir en 2005. Beaucoup sont morts. Oui, beaucoup sont morts. Courage, nous vaincrons. Courage, nous serons debout. La fatigue ne peut pas détruire les résistants. Les mauvaises paroles des jaloux qui viennent nous injurier dans les réseaux sociaux ne sont pas des gens courageux. Ce sont des lâches. La plupart sont des gens des sales, de l'opposition, que j'ai affiché et que nous continuerons à afficher. Parce que la vérité vient de Dieu et Dieu aime tous ceux qui affichent, tous ceux qui sont mauvais. Vive le bon Dieu Tout-Puissant, Yahweh, vive notre petit pays, le Congo-Brazzaville, vive la libération totale et vive tout le continent d'Afrique.
Que Dieu nous garde et nous protège tous. Donc, peuple congolais, ayez confiance, peuple panafricain, ayez confiance, nous sortirons du gouffre un jour, au nom de Dieu le Père Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant garde également mon frère Willy Onyami. Que Dieu le garde bien. Que Dieu lui donne la force partout là où il est. Vive le bon Dieu Tout-Puissant. Vive le bon Dieu Tout-Puissant. Et vive notre petit pays qui est le Congo. La victoire arrive. Passez une excellente bonne journée. Nous arriverons.